Avant toute mobilisation de la victime, le sauveteur vérifiera son état de conscience, appuiera sur la soupape pour déclencher un apport d'air continu et vérifiera la pression restante. La victime sera tournée sur son côté gauche afin d'éviter la fermeture du robinet lors de la traction. La ceinture ventrale sera accrochée sous sa cuisse pour éviter que l'aérie ne remonte.